congolaises, congolais. Les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouve la structure de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya Ebele, Totombola Bendele et Amboka Nabiso. Le lieutenant général Constant Dimakongba, commandant des opérations et gouverneur du Nord Kivu, a fait une descente à Moubambiro près de Sake ce lundi 24 avril 2023. Il était question de réarmer le moral des troupes au centre d'entraînement de cette partie de Masisi. Le gouverneur a rappelé à ses hommes les règlements militaires qu'ils sont tenus à respecter scrupuleusement. Il a insisté sur la discipline qui est le socle de la réussite. Le lieutenant général Constant Dimakongba a invité les troupes au centre d'entraînement à promouvoir les valeurs et à éviter les antivaleurs telles que la consommation de la drogue, les tirs désordonnés et non autorisés, la saleté et un accoutrement non conforme au règlement militaire. Votre mission principale demeure la sauvegarde de l'intégrité du territoire ainsi que la protection de la population et de ses biens, a-t-il lancé. Vous voyez bien, pour tirer dans ma position, il y a ça. Le premier soldat. Mais jamais, tu es là qui sur le terrain, qui est aux amandos, qui est dans le côté, on a le plan où il y a mon côté. Parce que la constitution est le bien, il y a tu es battu l'école, il y a la population, il y a un mot. Tu es là qui est bien, il y a un mot, il y a mais au hasard, ils allaient prendre la cocotte en angola d'accord à mon côté. Ils allaient prendre la boum à mon côté, prendre vos téléphones. Ils allaient prendre la boum à mon côté, prendre vos ambons au thé, monsieur. Non! Vous voyez, c'est aux années, la tango à Bitumba. Oh, yo, à quoi mes cabillots en démoi, yémo, à quoi mon la peine à miso. Parle des voleurs, ceux qui sont en carte nabiso, aux années, mon yébi, en carte nabiso, aux armes nabiso, armes à l'état, ok, ne vous salam macambo, oh, yo, l'état qui nous salam en côté. Ça, c'est très grave. Signalons que le gouverneur était accompagné de ses collaborateurs. Une équipe de journalistes internationaux et nationaux ont clôturé leur série de visites samedi 22 avril 2022 à Goma. L'objectif de leur mission était de se rendre compte du retrait du M23, les cessez-le-feu et le respect des droits humains dans les zones où sont déployées les troupes de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. Des grands points ont marqué la fin de leur visite, à savoir les débriefings du commandant force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, la restitution de la situation sécuritaire par le gouverneur militaire. Au quartier général de la force régionale, le général-major Jeff Nyaga, accompagné de son
adjoint chargé des opérations et renseignements, le général de brigade Kaputa Kasenga Emmanuel et des officiers de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, a d'abord remercié la presse pour avoir répondu à son appel. Ensuite, il leur a demandé d'être une force pour la réussite de la mission de la paix afin de favoriser ensemble son retour. Car il ne s'agit pas seulement de la question du M23, mais également de tous les groupes armés dans la province du Nord Kivu. Enfin, le numéro 1 de cette force a annoncé les mesures que je vous propose de suivre l'extrait. Tous les véhicules transportant les marchandises en provenance de Mweso, Kitsanga, Kiloli, Resake seront prochainement escortés par les troupes de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est pour faciliter le passage dans les différentes barrières érigées par les groupes armés. Et on verra celui qui s'opposera à ces différentes mesures prises par la force régionale, car ils subiront tous la rigueur de la loi. Après le quartier général de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, la délégation s'est rendue au gouvernorat de la province du Nord Kivu, où ils ont assisté à une restitution de la situation sécuritaire par le gouverneur militaire, le lieutenant général Ndima Kongba Constant. Le général Ndima s'est adressé devant la délégation en double casquette, d'abord comme commandant des opérations, ensuite comme chef de l'administration de la province du Nord Kivu. Pour rappel, l'équipe de presse avait visité les localités dans les territoires de Nirangongo et de Rutshuru au Nord Kivu. Une prise de photos souvenirs pour immortaliser l'événement a clôturé la fin de cette visite. Lieutenant-colonel Makazukai, bonjour. Bonjour. Vous avez lancé une campagne qui appelle les rebelles des ADF à se rendre auprès des forces de la coalition FRDC-UPDF. Comment cette campagne est-elle menée sur terrain? C'est important de rappeler à l'opinion que les forces armées de la République démocratique du Congo et l'UPDF sont des armées régulières. Ce sont des armées qui ont souscrit à toutes les résolutions relatives aux droits de l'homme. Et lorsque nous sommes dans une campagne opérationnelle comme celle-ci, il y a des principes que nous devons à tout prix respecter, notamment le droit à la vie humaine. Donc nous ne sommes pas des ventes à guerre. Lorsque le terrain s'exprime, lorsque le terrain vous renseigne que l'ennemi est en position de faiblesse, tel que le cas de l'ADEF, le terrain nous renseigne que les résidus, il y en a qui veulent bien se rendre, mais qui sont malheureusement intoxiqués ou retenus des forces par les radicaux. Et nous avons commencé cette campagne il y a de cela une semaine pour favoriser les gens qui voudraient bien se rendre. Ce n'est pas la première fois qu'une telle campagne soit lancée. Pensez-vous que cette fois-ci, les résidus des rebelles ADEF, comme vous les appelez, vont-ils vraiment se rendre? Il vous souviendra que dans le communiqué final de la réunion d'évaluation, il a été constaté que l'ennemi est en position de faiblesse. Nous avons réussi à démanteler les réseaux de ravitaillement et de recrutement de l'ennemi et à les rendus ou les otages, pour ne pas citer aussi ceux qui sont capturés, ont confirmé, témoigné qu'effectivement ils sont en difficulté. Et la seule voie de sortie, je pense que c'est de se rendre. Et c'est de se rendre parce que en dehors de cela, il y aura le feu qui va suivre. Et nous ne sommes pas devant la guerre et c'est pourquoi nous offrons cette opportunité. Nous comptons beaucoup sur ceux qui, parce que ce n'est pas un secret, il y a des gens parmi nous, population qui, certains, je le dis bien, qui collaborent, qui sont en contact, qui transfèrent ce message-là pour dire qu'effectivement les forces armées de la République démocratique du Congo et du PDF sont disposées à accueillir tous ceux qui voudront bien se rendre. Une semaine après avoir lancé cette campagne, quel bilan dressez-vous? Oui, pour l'instant, il faut attendre une durée raisonnable pour faire une évaluation. Mais déjà, il y a des signaux que nous saluons du côté de l'Ouganda. Il n'y a pas longtemps, je crois le 19 avril dernier, trois combattants terroristes ADF de nationalité ougandaise se sont rendus avec armes, munitions et autres effets militaires, sans oublier les témoignages de la souffrance qu'ils sont en train de vivre dans cette forêt. Et je pense que c'est des signaux à saluer et ça
va nous permettre d'intensifier cette campagne. D'ailleurs, il faut que je le dise, se coupler cette campagne-là. Donc, il y a le feu et il y a la sensibilisation. Celui qui obéit à la sensibilisation va se rendre et aura la vie sauve. Celui qui n'obéit pas va trouver aussi le feu. La question de l'élargissement des opérations conjointes dans d'autres zones, hormis où vous opérez, se pose toujours. Où en sommes-nous après la réunion d'évaluation que vous avez tenue le 6 et le 7 avril dernier? Ça a été une préoccupation partagée par toutes les parties réunies à la réunion d'évaluation, mais suivez mon regard, vous constaterez que quelque chose se bouge déjà du côté de Mwalika, où nous avons effectivement reçu l'appui de la population, des notables qui ont très bien accueilli les troupes de la coalition FARDC et PDF. Pour d'autres contrées, c'est pas dans les médias que nous allons dire cela. Toutefois, la primeur du dossier a été réservée à la hiérarchie et je pense que la IHR est en train de réfléchir, de voir comment travailler avec tous nos partenaires afin que la paix soit effective dans le territoire de Beni et d'Irumu. Donc, pour cette question d'élargissement, il faut donner du temps au temps. Sinon, c'est un souci, c'est une préoccupation que nous avons partagée avec nos partenaires de l'UPDF. Est-ce que cette campagne concerne aussi la partie de l'Ituri dans le territoire d'Irumu où vous opérez également? Mais effectivement, parce que les tracts ont été aussi largués dans cette partie-là. Nous sommes en train de larguer partout où, dans des endroits censés abriter l'ennemi. Pourquoi pas les collabos? Parce que les collabos sont plus dangereux que l'ennemi, parce que c'est le collabo qui fournit informations, qui fournit matériel, qui fournit effets civils ou militaires. Donc, cette campagne concerne tout le monde, y compris moi-même. Donc, nous sommes en train de travailler par rapport à cela. Il faut donner du temps au temps. Lieutenant-colonel Makazukai, je vous remercie. C'est à moi de vous remercier. La délégation mixte état-major général, force terrestre et commandement général des écoles militaires, conduite par le général-major Chico Chitambwe, sous-chef d'état-major en charge des opérations, est arrivée dans la base militaire de Kitona depuis ce vendredi 21 avril 2023, à 11h10, dans une visite de travail pour évaluer le niveau de recrues au centre d'instruction de Kitona. Pour clôturer, le sous-chef d'état-major s'est adressé aux recrues. Bote Rabino. Promotion Guépard. Elikia Bakonzi. Ezaliete Bokosala Moussala Malamu. Bokonzi Amboka, commandant suprême, chef d'état-major, la population Nyosu à Congo. Batie Libino Elikia. Bozali Mibali. Oyo Mboka Eponi. Bokende Kobundela Ekolo. Nous allons à Koko Somouke, na Est, Bande Konabiso, Bazali na Kimiate. Alors, Mokonziamboka a décidé à Kozongi sa Kimia. Na ensemble a étendu Mubimbamboka Nabiso. Et ba acteur, ou ba Kosala et Kimia et Zonga, ils allaient biso ba soda. Promotion Guépard. Dans le cadre de la sensibilisation et mobilisation de jeunes filles à l'enrôlement au sein des FARDC, les commandants corps logistique et point focal, JAR FARDC, le général-major Chechi Maoujissine, a dans son entretien tenu le lundi 17 avril 2023 dans son cabinet du travail avec le journaliste de la presse militaire, a appelé le jeune fille de la République démocratique du Congo à s'enrôler massivement au sein des FARDC pour augmenter les effectifs féminins dans l'armée. Donc dans les centres d'instruction, c'est suivant le niveau d'études des candidates. Donc ils seront amenés soit dans les centres d'instruction, soit dans les écoles de sous-officiers, soit à l'académie militaire, soit dans les écoles de santé militaire. Donc pour l'académie militaire, ce sont les diplômés d'université et les diplômés d'État. Les diplômés d'université et les diplômés d'État pour l'académie militaire. Pour les écoles de sous-officiers, c'est soit diplômés, soit les jeunes
ayant fait les humanités jusqu'en 5e année. Et l'école de santé aussi, pareil avec l'école des sous-officiers. Donc, les filles ayant terminé les 4 ans des humanités peuvent faire l'école de santé militaire. Et les autres, elles vont dans les centres d'instruction. Les centres d'instruction qui sont soit à Kitoma, soit à Kanina, soit à Kisangani, soit à Amour, soit à Lukaku. Le lieutenant-général Bamunda Ntumba Frank, chef de la maison militaire du président de la République, a pris le premier contact avec le stagiaire de la 3e promotion de l'école de guerre de Kinshasa, samedi 1er avril 2023. Et c'est après quelques jours après avoir appris que le choix de ces stagiaires a porté sur sa personne pour les parrainages. S'adressant à ses filles, le lieutenant-général Bamunda a exprimé sa joie d'être choisi comme parrain de la 3e promotion de l'école de guerre de Kinshasa. Il ira également prodiguer des conseil avant de leur rassurer qu'il sera à leur entière disposition pour toute éventualité. C'est déjà une charge que j'assume et je vous rassure que votre voyage aura bien lieu. Qu'à cela ne tienne, je reste à votre entière disposition. Je reviens encore au commandant d'école pour lui demander qu'il puisse me transmettre le plus vite possible parce qu'il ne vous reste, je crois, que 2 ou 3 mois pour clôturer. Mon agenda qui est très très surchargé. On va partager peut-être le petit lien que j'ai pu amener pour vous. Je suis à votre entière disposition. La nuit, la journée, la soirée, à tout moment que vous voulez, que vous le voudriez, mon numéro, vous pouvez m'appeler. Même quand vous serez parti d'ici, même après ici. Vous devez toujours m'appeler pour avoir des conseils. Une fois de plus, merci. À l'occasion, des stagiaires de l'école de guerre de Kinshasa venus de la République du Congo ont porté officiellement leur nouveau grade. C'est après qu'ils aient été promus la même semaine par leur commandant suprême, le président Denis Sassou Nguesso, sur proposition du comité de défense de leur pays. Le premier président de la haute cour militaire a présidé lundi 17 avril 2023 une parade générale au siège de cette institution, 6 avenue Monseigneur Chaoumba, numéro 289 à Kinshasa Gombe. Le lieutenant général Mutombo Katala Chendi Joseph s'est adressé aux hauts magistrats de la haute cour militaire, aux magistrats des cours militaires et des tribunaux militaires de garnison ainsi qu'au personnel d'appoint pour rappeler ses directives en vue du bon fonctionnement des services. Le numéro 1 de la magistrature militaire du siège a insisté sur le service intérieur dont le responsable a été instruit de bien vérifier la dotation en armes et munitions de guerre pour éviter une utilisation abusive par les soldats. Le même mot d'ordre a été donné au gestionnaire des ressources humaines qui doit ouvrir l'œil et le bon pendant l'opération de contrôle des effectifs organisée par l'inspection générale des forces armées de la République démocratique du Congo. Le général Mutombo a même épinglé la rémunération des membres de la justice militaire à la banque payeuse Robank où tout doit se dérouler dans les normes requises. Le speech du premier président de la haute cour militaire a été précédé par une prédication de l'aumônier kimbanguiste en chef adjoint, le colonel Kavena Tadik. Pourquoi tu parades le vélo? Les alliés, parce que nous avons moins de communication et ils ont concerné plus les officiers que les soldats. Mais il n'y a pas longtemps, l'inspecteur général a dit délégation au bassin là, identification biométrique. Parce que dans mon souci, on a un mot mais il y a un pour se faire identifier. Ce que ça a été, on a un mot. Ce qui nous a permettre de montrer que nous avons un mot, les amis, erreur, nous n'est pas ce que vous avez par intention à été. Ce qui est mon imoutou, à Salaka, n'a pas noté ni colonios, il faut le dénoncer. Deuxième point, les apôts n'ont pas
Toujours, il n'y a pas longtemps, il y a eu passage, il y a délégué, il y a état-major, il y a corps logistique. Il y a du coup, dans le matériel, on les a à la disposition là-dessus. Mandoku, na, massacre. On sait que ça les met bien, parce que, na, niveau, il y a cours militaire. Je ne dis pas que ça a testé, mais c'est ce qu'on a constaté. Fait qu'il y avait munitions et pélé. Na, Mandoku. Ce n'est pas bien. Congolaise, Congolais, les forces armées recrutent pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême. Venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise. Être âgé de 18 à 25 ans. Être célibataire, sans enfant et volontaire. Avoir une bonne moralité. Avoir fait au moins 4 ans post-primaire. Être physiquement et mentalement apte. Être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale, les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouve les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbu. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya Ebele, Totombola Bendele, Yamboka Nabiso.